À la veille de l'ouverture de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, on assiste à un petit mouvement d'aversion pour le risque sur les places européennes. Point d'orgue de cette réunion vendredi, les très attendus discours de Mario Draghi, président de la BCE, et de son homologue de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen. Ainsi, à la clôture de Paris, le Stock 600 perdait 0,46% à 374 points. À Londres, le FTSE reculait de 0,08% à 7376 points. À Francfort, le DAX, lui, perdait 0,28% à 12 195 points. Enfin, de son côté, le CAC 40 reculait de 0,23% à 5 120 points. Du côté des plus fortes hausses sur l'indice parisien, nous avions L'Oréal, plus 0,65% à 178,30 euros et Engie, plus 0,53% à 14,26 euros. En revanche, du côté des plus fortes baisses, nous avions Publicis, moins 3,3% à 59,54 euros et BNP Paribas, moins 1,23% à 64,32 euros. Sur le marché d'échange, pour finir à la clôture de Paris, 1 euro valait 1,1817 et 1 dollar s'échangeait pour 109 yens 13 à la Bourse de New York. C'était Alexandra Déglise pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain.